Madame Zeme, c'est ça qu'a fait, comment nous y est, nous contenter la carovine pour tes émissions parole pour vous. Eh bien, à un moment, la bagaille est vraiment compliquée dans mes bandits, dans le pays d'Haïti, mes amis américains fouillent bouche dans cause de cela, parce que la bagaille est vraiment compliquée pour ti, mais c'est vivre ensemble, qu'a bail la tout blaye dans le pays d'Haïti, mes amis, en pile munitions, en pile chablende, en pile hélicoptère, eh bien, Kenya déjà sous sol là, pour venir mettre bagaille dans la vie, ti bandits, madame et messieurs. Eh bien, nous, américains, t'es en train avec vite l'homme, bagaille, ça a fait en pile parler, tout peut pas essayer, Abdi en général, Abdi américain complice non insécurité dans le pays d'Haïti parce que yo contacté vite l'homme et yo bay vite l'homme en pile l'argent pour récupérer corps des américains bandits dans le pays d'Haïti te éliminer la vie. Rete la madame monsieur nous charger information miscadé mes amis faire causer dans le pays d'Haïti. Rete la gué causer pour nous tendre nous charger information. Pas oublier ou même qu'a passer là pour première fois. Rejoignez ma vidéo après ce bouton qui marque s'abonner, plaisir pour abonner avec nous et puis like vidéo ça pour vidéo ça arriver jeune plus monde parce que ça qui passe dans le pays d'Haïti là, il concerne tout peuple haïtien en général. Abonnez, like et puis partagez pour plus monde car une information, j'ai la ce qu'il est mal utilisé. Et bien dans moment là, bagaille vraiment compliqué et bien Miska demande de collaborer avec l'armée Kenya, mes amis, il dit que nèg li envie pour lui même faire gros déclaration sur nèg yo les têtes pas droite qui grand pile figi qui grand pile zando dans figi dans village de Dia. Et bien il dit n'importe moun qui ta fini avec monsieur sans il va faire avec bagaille a fait très mal parce que son nèg li envie en pile qui c'est tête pas droite madame et monsieur un nèg qui charge zando dans figi qui c'est un soldat puissant iso dans pays d'Haïti. Et bien Miskade fait connaître faut faire jeune partner sa qui les têtes pas d'autre là. Et bien Miskade dit que ça lui chargé soldat même s'il t'a débarqué n'importe où pour les forces là débarqué et 2000 dia là malheureux ici. Et bien faut yo mettre barrage tout côté parce que grand pile petit bandit à sa patte cap quitter Bazio pour aller prendre refuge dans province aller avec un pile cob aller prendre plaisir avec ti femme les bagages you fouette puis venir tourner non pas gain ça Miskade dit c'est pour nous mettre veiller tout côté en haut en bas madame monsieur. Et bien force là déjà débarqué dans mon banque n'a parlé là nous gain son nous gain image nous pas qui tout de plus bagaille madame monsieur cause en pile dans pays d'Haïti cause en pile madame monsieur c'est quoi surprise qui fait nous connaît iso a construit un waf de jour en jour, ils ont plus puissant dans le pays d'Haïti. Madame monsieur, c'est ça fait plus vite que possible, force la guide a débarqué, premier côté a frappé ici, du village de Dieu, parce qu'ils ont débarqué avec un pile yacht, c'est l'yacht, force la porte gogien avec hélicoptère, et bien, hélicoptère débarqué avec yacht pour attaquer sous de l'eau, et en l'air, et puis à terre, nous connaissons déjà passé, c'est 4 blindés déjà pour attaquer nèg ça au cap bay problème dans pays d'Haïti. En attendant de causer madame Jimmy, bonne audition attendez et puis comprendre. Ça qui est l'actualité, c'est ça qui est pour avec négociation tout état américain avec bandit vite l'homme innocent pour être capable de récupérer cadavre de américains qui étaient mouru assassiné dans semaine passée dans l'ison côté bandit est arrivé tué deux américains ça. Et bien, on a dit que je dis hein, mais en plus qu'il soit posé pour dire est-ce que ça crivé hein, le fait que l'autorité américaine a décidé c'est d'après CNN à négocier mais relé vite l'homme mandé le laisser passer mandé pour permettre que yo capable l'équipe et comme on sait, est-ce que ça dit que je dis hein, c'est renforcer ou renforcer ce bandit? Est-ce que ça dit je dis hein, que en plus mon j'ai toujours dit là c'est que États-Unis ou bien la communauté internationale n'est pas innocent dans l'insécurité en Haïti hein. En même temps on a dit que la question et gouvernement et la question conseil là nous qu'a dit gagné ministre des affaires étrangères canadienne la parlé de Mélanie Joly li mandé avec conseil présidentiel et li mandé avec premier ministre nommé qui c'est Gary Conille pour dégager Koumet Jean-Jacques pour que yo rivé établi mette campé gouvernement qui pral mette qui pral exécuter accord politique 3 avril là n'a permettre que yo rétabli sécurité n'a permettre que yo mette été campé organe de contrôle nio institution nio et organiser élection et pour 7 février 2026 un président élu capable de prendre le pays désir comment est-ce que frère
La situation, nous comptons rejoindre la mité Kalfoua pour nous venir parler vérité à quatre amis internautes qui brassent tout partout à travers le monde pour suivre l'émission si là. Eh bien, en nous disant, question, conseil présidentiel là, toujours qu'il y a des actualités là, ensemble, réaction à tomber, depuis après, et désignation qui menait à la nomination, car il connaît comme premier ministre, eh bien, Blaise Peterson, bien, maître Evel Fofan, qui prend des positions, surtout sous la mort, à jamais sa pas quitter, il veut perdre la vie. Il a fait des recommandations. Même genre, avec maître Luc, Jean-Joseph, qui pratiquement y a des positions tout sous ça qui pratiquement lié avec nomination et Gary Conny comme premier ministre selon et maître Lucien Jean-Joseph avocat Guy Philippe, il fait quoi monsieur pas gagné qualité pour le premier ministre pour venir diriger pays. La police dans ville Hinche dans plateau central pays a arrêté Watt Deschal et il fait quoi que monsieur t'a fait partie réseau criminel et réseau assassin qui pratiquement des couilles qui était dès qu'on a repéré Belel couilles qui était Belel à Cadelma 24 n'importe où presse pour t'al cacher et t'a tenté pour te rentrer en République Dominicaine. Avait dit la police dans département centre pays a blessé personne. Yo pas décidé baisser les bras. Président William Ruto recevoir pendant journée un rapport complet sous évaluation à reconnaissance et surtout ensemble et espère que vous te voyez dans pays d'Haïti. Soyez que monsieur Kenya ou te gen aux environ 50 militaires ou bien soldats kenyans qui étaient dans pays a pour te venir évaluer ça qui t'a passé qui Jean Bagalaye qui yo k'ap vinn aborder. Eh bien président et exprimer de confiance dans application résolution et Nations Unies by dans ça qui vient pour avec mission multinationale en dedans pays à Blaise Peterson. Monsieur Damio dans conseil présidentiel transition yo chaque y a tenté prêter mot y a tenté utiliser des stratégies et plusieurs secteurs déjà à préparer ou déposer qui a sur le bail comme et ministre comme directeur général dans ça qui lié dans ça qui lié avec gouvernement qui a compté là. Non, ennemi jamais a cité bien fort divers secteurs jeunes garçons. Économiste, ennemi jamais pour ministre économie. Pour ministre économie et finance, donc j'ai cité très fort. Cause a commencé à parler parce que comme c'est Guino qui a flitté. Quand il y a fait tout chercher qu'on est, ensemble secteur qui déjà des catabio, qui déjà qui enveloppe jeunes, qui a fait filer le monde, et femme qui connaît, qui position que vous avez gagné. Koto est non là, Koto est non là, Koto est non manon là. Non, personne, non nous voilà donné. Oh, ah moi j'ai été abandonné de porte-parole quand même. Et journaliste. Non, 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 Peggy, j'ai un problème avec nous. Non, et pas pour conseil là, monsieur. Eh, mais quoi, dans non, où songez ce jour, n'était pas porte-parole là. Ça veut dire que n'était pas 4 à 5 non, non, qui sont porte-parole la présidence. Il y a un camé de porte-parole là. Laisse ça au camé, tout au camé, t'es mieux au camé, t'es Peggy, au camé, t'es l'autre, mais estimé. Il faut qu'il connaisse les porte-parole de lui-même. Blaise Peterson, parlant pile là, toujours été à questionner comment faire. Autorité américaine yo contacté un homme tant qu'on vite l'homme innocent pour nous connaître son criminel notoire que FBI mette 2 millions de dollars derrière pour n'importe monde qui ka fait jeune ni et puis des missionnaires américains mourir en dedans pays qui est yo contacté c'est vite l'homme innocent pour pratiquement ba au passage pour capable pas prendre cadavre. Après on a posé question des problèmes pays d'Haïti hein, est-ce que la jambe résoudre si les États-Unis toujours un comportement ça. Il blaye en pile doute beaucoup de divers secteurs en d'un pays à Blaise Peterson qui rendent que vous même douté sur déploiement mission multinationale qui pouvait résoudre problème de sécurité dans accompagner la police Blaise Peterson. Non niveau capital là, la police beaucoup de pays il y a un petit gens sous quoi pour permettre que vous prenez des espaces moun dans Solino Delma 24 parce que vous connaissez situation difficile en bas bandit qui fait partie réseau criminel vivant sans mieux. Et cependant, moun yo nan zone sa ki di yo pa kite territoire sa perdu, yo arrange yo plusieurs bandits qui fait partie coalition vivre ensemble dans Bois Calé pendant ce moment de situation. Et deuxième c'est que j'en détien, n'a pas gardé ça comme information et réaction dans question insécurité, question politique en dans pays. Nous va regarder ça en même temps j'en détien, va regarder ensemble des acteurs qui parlaient tant coup mettre alors c'est deux avocats hein, c'est mettre Evel Fofan et c'est mettre Lucien Jean-Joseph comme si qui parlait et concernant Gaïkoni. Mais en même temps j'en détien les Yvenes, gain gouvernement canadien à travers ministre affaires étrangères qui c'est Mélanie Joly qui est salié en même temps tout féliciter et mes conseils présidentiels transition qui rivé nommé nouveau premier ministre payant qui c'est Gaïkoni et je souhaitais que un nouveau
premier ministre avec gouvernement pral mette campéan pral travail nan tête collée ensemble avec CT et KPT yon, ben CPT yon, qui se conseil lan pour rive capable bay résultat que peuple haïtien lui-même li attend. Et ben gouvernement canadien dit yo encouragé premier ministre Desi Arakuni et CAP et CPT yon, pour mettre en place sans pas perdre du temps yon nouveau gouvernement qui pral bay priorité avec sa nele bien-être peuple haïtien. Pendant que yo impatient gouvernement canadien yo impatient pour que premier ministre Gaïkoni et CPT que yo prend un ensemble mesi nécessaire pour rétablir institution démocratique pays d'Haïti, organiser élection libre et équitable, promouvoir bonne gouvernance et collaborer avec communauté internationale là pour capable rétablir sécurité nationale et bail l'aide nécessaire avec peuple haïtien cap souffri bien longtemps. Dans lien qui existe entre Canada avec Haïti, il a toujours été solide selon ça qui dit côté Mélanie Jolie, alors que Haïti, y a Haïti a possible avec chemin vert qui sont rétablissement démocratique institution liyo et yo capable continuer compter sur Canada. Ça veut dire que autant que Haïti lui-même et a cherché pour le capable remettre camper institution publique nous yo, mais pays Canada dit que y a continué camper accompagner peuple haïtien n'a permettre que et mais yo porter réponse avec sa nilé et situation désidérata peuple haïtien a vivre là. Gien ancien candidat pour poste président pasteur Max Joseph qui est même tout et s'allier rivé Gaïkoni comme premier ministre payant et lui souhaiter que Gaïkoni lui mette camper un gouvernement sérieux et qui permettre que yo rivé résoudre un simple problème que peut haïtien connaît la désivence. Ma connaît soit réagir sur ça yo et après ça pour capable venir avec acteur. Bon nous ajouter pour nous permettre que amis internautes yo rivé connaît dans journée 31 mai 2024 là premier ministre nommé à Gaïkoni li atterri dans Port-au-Prince pour permettre que yo continue venir discuter sous monter gouvernement Blaise Peterson. C'est ça que je rivé. Monsieur débarqué en Django en dedans pays hein, pour venir faire job. Sans doute pour un peu le monde que vous voulez venir faire. Est-ce que ça peut permettre que Gaïkoni lui bien aborder ça qui a pas étonné là en dedans pays hein? C'est question que tout le monde a posé. Essayez donc de regarder la conjoncture que Gaïkoni rivé comme premier ministre qui pourrait gagner les pleins pouvoirs à travers gouvernement de transition. Pour d'ailleurs, un pile monde déjà imaginé, déjà analysé, est-ce que conseil présidentiel transition va devenir un HCT parce que c'est Gaïkoni qui peut-être pourrait gagner tout pouvoir parce que c'est la Maison Blanche, c'est le département d'État qui décide, c'est Nations Unies, c'est l'Occident qui décide qui est le premier ministre. Pour d'ailleurs, en plus là nous te ouais que ambassade des États-Unis te mandé faut que messieurs te avance plus rapide dans processus là, 11 jours pas passé malgré Leslie Voltaire, t'as prend et t'as monté quel arrogant, t'as monté quel pas prend l'autre dans même blanc, c'est pas Maison Blanche, c'est pas élection Barack Obama à Joe Biden qui a fait faut que t'en. Ouais, dans même journée qu'elle répond là, dans même journée hein, il prend décision pour permettre qu'on connaît qui est qui premier ministre en dedans pays. Est-ce que ça peut pas le permettre que Gaïkoni, li vigne un bouc émissaire, li entendre pour c'est lui-même qui gagne tout pouvoir sous monsieur Damio et monsieur Damio profiter tout parce que on voit un paquet de gros l'argent qui a débloqué. Est-ce que c'est pas ça que monsieur déjà connaît? Le vigne gagne un premier ministre, le vigne gagne un gouvernement qui normal qui monte sous base consensus, c'est que j'en ai parlé là, parce que après que Gaïkoni, dans position, dans adresse à la nation qu'elle fait, dans petit bout de vidéo qu'elle publie sur chaîne YouTube Lia, après qu'elle claire, lui dit, c'est un gouvernement d'union nationale. Faut que nous soyons honnêtes, faut que nous soyons crédibles, faut que nous soyons des patriotes, et c'est des jeunes femmes, des jeunes garçons, que l'IPGAL intégré dans le cadre du gouvernement Lia. Qu'on y a, regardez, les personnes. Majorité nèg qui dans conseil présidentiel. Yo c'est des monde qui pratiquement dans troisième âge. C'est pas des jeunes garçons. Premier ministre là, il dépasse troisième âge parce qu'il est dans 56 ans. Pendant on a parlé des questions la jeunesse c'est avenir pays. Est-ce que Gaïkoni il peut l'entendre pour faire différence? Gaïkoni n'a parlé le tout les personnes ou après qu'elle fait des références. Là elle était premier ministre déjà. Qui ça que te fait? Li te entendre qu'elle t'a cherché conseil. Non mais yon ensemble des anciens présidents, gen qui là qui vivant, gen qui pas vivant, li t'a cherché conseil. Non mais de mon tour, il faut qu'on rappelle que Gaïkoni li marié ou bien li avec petit yon ancien président. Nous besoin connaître ça. Nous besoin connaître ça. Et est-ce que Gaïkoni pour qu'a vienne aborder problème ça qui vient dans pays?
par rapport côté le sorti qui lié directement en pile monde dit c'est PHTK l'insulte sombre si c'est PHTK regardez PHTK en pile monde balle paternité dans deuxième place question gang qui gagne dans pays parce que Michel Joseph Matéli yo gardé comme nèg qui t'a fait promotion pour banditisme surtout bandit légal avec slogan bandit légal rivé sous Michel Joseph Matéli la vin de terre où yo en dans pays kidnapping insécurité tout partout ZAN a distribué et dans dernier rapport que Nations groupe expert Nations Unies a publié, il a vini avec des textes pour dire également que Michel Joseph Matéli te baille YZ groupe armé qui est dans pays ZAN. Soit le garder dans village, soit le garder gravine, yo rale sa yo pour dire c'est Michel Joseph Matéli qui était armé. Vis-à-vis avec lien qui te gain entre Gary Conille et Michel Joseph Matéli, suite avec cause que te t'as parlé qui te fait quoi que Michel Joseph Matéli t'a négocié amnistie pour bandits et Michel Joseph Matéli yo te fait quoi qu'elle t'a mettre tout poids dans balance pour te gain premier ministre là c'était Gary Conille qu'il était et jusqu'à présent Michel Joseph Matéli gain contrôle palais national malgré José Pierre lui t'es entendre pour te dire qu'il a démissionné des personnes ou après que ce nèg que monsieur dame qui dans conseil présidentiel là yo vraiment lucide avec elle. OK, yo cherche yo en top avec parce que connaît jodi qui est-ce qui permet que perdre pouvoir c'est José Pierre lui c'est Michel Joseph Matéli même gens en pile moun yo apprécié donc regardez si Dimitri Ra représente un danger un problème pour la République jodi Michel Joseph Matéli la donne est-ce que vous allez garder un homme tant que Gary Conille qui était dans le même gouvernement avec Michel Joseph Matéli est-ce que Gary Conille va avoir qualité à dimension pour résoudre pour prendre des dispositions sur problème de sécurité qui vient dans pays. Mais nous pas trop pessimistes. En outan que Gary Conille vient prendre fonction, il vient prendre investiture, laisse ça, n'a pas essayé d'autre pour prononcer ce modèle comportement qu'il va gagner de la situation. J'en ai désir en nous garder avec maître Louis-Cherge Joseph qui c'est un avocat qui bon qui t'a défendre mais par contre si toujours défendre Guy Philippe. Et nous avons quitté prendre de gros engagements dans le pays, ça a déjà arrivé Guy Philippe en Haïti. Et l'ensemble de déclarations, l'ensemble de déclarations que Guy Philippe a fait, mais Louis-Cherge Joseph est toujours les mêmes campés comme parmi un avocat qui est toujours derrière Guy Philippe. Est-ce que je dis, hein, mais Louis-Cherge Joseph, est-ce qu'il a changé et casse les épaules? Est-ce qu'il toujours est comme si l'équipe qui l'a, qui va parler aucun côté, l'aime dit équipe qui l'a, comme si classe politique ça avec un conseil là, et puis Rive Gary Conille? Est-ce que Louis-Cherge toujours croit dans la révolution Guy Philippe apprenant, qu'il ne peut pas regarder ça, il ne peut pas attendre ça avec Louis-Cherge Joseph? Nous allons inviter nous tendre M. Louis-Cherge Joseph et Jean-Moi Desivin Escard toujours fait, côté mérité une petite intervention, une petite action à faire, et sinon, n'attendez, prends-en, pour nous capables d'attendre, mais Louis-Cherge Joseph en bonne et due forme. Entendez, monsieur. Continuez à dénoncer ingérence communauté occidentale dans la politique interne Haïti. Comment nous comprenons que il y a un monde pour Gary Conille qui était occupé poste premier ministre en 2012 sous Joseph Michel Matéli. Et tout le monde connaît dans quelle façon que Gary Conille était quitté poste là. Un, pas oublier que le cabinet d'instruction t'est décerné un mandat de comparution pour le sieur Gary Conille pour corruption. Et puis là, Gary Conille quitté pays, l'aller aux États-Unis. Deux, article 157 constitution nous lui dit ou mais qui Jean mais qui soit doit respecter mais qui principe qu'on doit respecter pour éligible pour venir occuper un poste premier ministre bon faire lecture pour nous qui dans constitution 1987 amendé en 2012 qui ça le dit pour être nommé premier ministre il faut tout d'abord être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Est-ce que Gary Conille détenteur de un passeport haïtien? Est-ce que Gary Conille a un certificat de nationalité haïtienne que l'immigration délivre? Deux, être âgé de 30 ans. Trois, jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine affective et infamante. Et ou pas de faire objet de poursuites judiciaires. Or, nous tous connaissons un mandat de comparution qui était émis contre Gary Conille en 2012. 4. Être propriétaire en Haïti. 5. Résider dans le pays
depuis 5 années consécutives. Et de 2012 à 2024, ça fait Gary Conille 12 ans depuis qu'il quitte le pays. Donc, il n'y a pas aucune connaissance de réalité pays. Il n'y a pas aucune connaissance de terrain actuel. 6. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Pas oublier que Gary Conille était premier ministre. Qui est-ce qui était pour balle décharge? Ces deux branches parlementaires, côté n'ont pas existé. Côté Gary Conille, joue une décharge. Est-ce que Gary Conille t'a vécu dans le pays pendant 5 années consécutives? Est-ce que Gary Conille t'a payé une déclaration définitive d'épaule? Est-ce que Gary Conille, Joseph, pour yon dit Claude Joseph, nous prêts pour nous quitter le dossier passeport à passer? Si ou bien Gary Conille passe, je dis, mais à qui type de monde nous en a fait? Nous en a fait avec des corrompus, nous en a fait avec des conseils, nous en a fait avec des politiciens, encore qui a fait politique d'estomac, mais qui pas venir résoudre rien dans le problème paysan. C'est la raison pour laquelle que Occident a un problème avec Guy Philippe. Parce que Guy Philippe a prôné une coopération gagnant-gagnant. Le fait que nous avons des ressources, nous n'avons pas qu'à utiliser. Nous n'avons pas de problème avec la communauté occidentale pour venir aider nous et puiser les ressources. Nous. Mais cependant, l'idée est une coopération gagnant-gagnant. Même s'il est en coopération 60-40, nous pourrions accepter. Mais pas venir sous prétexte que nous pralvin mettre sécurité dans le pays. Qui est-ce qui mette insécurité? Communauté occidentale. Qui est-ce qui baise amio? Communauté occidentale. Mais pour qui ça? C'est pas policier qui soit aux États-Unis qui entre en Haïti. Pour qui ça? C'est pas policier qui soit au Canada ou encore la France.